Le projet TaxiGa Plus s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur des transports et des opportunités d'emploi pour la jeunesse gabonaise. La circulation de 417 taxis modernes mis à disposition des citoyens gabonais à travers ce projet représente une avancée majeure dans l'amélioration des services de transport dans notre pays. Au cadre des réformes majeures initiées par son Excellence le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous avons le plaisir de lancer officiellement le projet CETERI, un jeune, un taxi. Cette initiative s'inscrit dans une vision ambitieuse de modernisation de notre secteur de transport tout en créant des opportunités concrètes pour la jeunesse gabonaise. Notre pays connaît des défis croissants dans l'insertion professionnelle des jeunes, un enjeu que nous devons affronter avec détermination. Pour ces jeunes gabonais, cette initiative va changer leur vie. Prendre son destin en main, c'est se convaincre qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est pourquoi je vous promets, Monsieur le Président, que la jeunesse gabonaise saura s'impliquer dans le succès de cette initiative en prenant soin des véhicules et en travaillant professionnellement et rompre définitivement avec le chômage. Je serai avec fierté et honneur que je me mettrai au service justement pour offrir à mes frères gabonais un service de transport de qualité. Pour cette première vague, au total 413 bénéficiaires ont pu recevoir les clés de leur taxi. À terme, le projet Un jeune, un taxi doit mettre en circulation 2000 taxis par an afin de contribuer à lutter contre le chômage et permettre ainsi la relance de l'économie du pays.